Parlons un peu. Bonjour. Je choisis de choisir et d'être choisi. J'aimerais que notre fille ait une vie heureuse. Et elle sera heureuse. Regarde-la, elle joue libre et insouciante. J'aimerais qu'elle ait une famille heureuse. J'aimerais qu'elle choisisse un homme bon, qui l'aime et qui la respecte. Elle aussi l'aimera et le respectera. Ensemble, ils seront heureux et ils auront beaucoup d'enfants. J'aimerais que nous l'aidions à choisir son mari, car toute seule, elle pourrait se tromper. C'est elle qui doit le choisir. Nous, on lui donnera juste un coup de main. Tu as raison. Nous l'élèverons avec amour. Quand elle sera grande, elle pourra être autonome. Notre fille est calée. Elle choisira bien. Avant de se marier, elle devra finir l'école. Il est peut-être mieux qu'elle se marie tôt. C'est elle qui décidera. Laissons-la étudier. Elle trouvera plus facilement du travail. Elle passera son permis de conduire. Ensuite, elle se mariera. Elle aura des enfants. Il ne faut pas que ça se passe comme pour Mariam, qui n'arrivait plus à faire pipi. Parce que on lui avait fait la circoncision quand elle était petite. Depuis alors, elle attrapait souvent des infections. Elle a aussi eu des problèmes avec l'accouchement. À Melun, à qui on n'a pas fait la circoncision, a un meilleur rapport avec son mari. Oui, un rapport plus complet, plus joyeux. Ne faisons aucune mutilation à notre petite fille. Elle est bien comme ça. Respectons la loi italienne contre les mutilations génitales féminines. Au revoir.